Donc les gens, juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que je vais partir en vacances dans 2 jours à La Réunion. Donc je pars le 17 à La Réunion. Et du coup je vais vous préparer là pendant ces 2 jours qui vont suivre environ 15 vidéos afin de vous en sortir une tous les jours. Donc je vais absolument tout faire, les miniatures, les vidéos, les miniatures, le montage. Après il faut que je convertisse la vidéo en le dossier pour pouvoir ensuite l'upload sur YouTube. Donc je vais en avoir environ au moins pour 2h30 par vidéo. Donc ça va me prendre énormément de temps. Donc s'il vous plaît, laissez un like, partagez cette vidéo, abonnez-vous et laissez des commentaires, parce que ça m'a pris vraiment énormément de temps à faire toutes les vidéos que vous allez voir pendant toute cette période. Donc allez, bonne vidéo les gens. Yep les gens, c'est Verxius et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon Go. Donc j'espère que vous allez bien. Et comme vous avez sûrement vu dans ma dernière vidéo, ou il y a quelques vidéos, j'ai sorti une vidéo pour jouer à Pokémon Go sur PC et pour pouvoir vous déplacer et vous téléporter n'importe où dans le monde avec notamment les touches ZQSD et pour avoir un simulateur de GPS. Donc ça c'est vraiment énorme. Et pour l'instant le seul émulateur que je connaisse fait pour ça, c'est Nox. Donc je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne la vidéo que j'ai faite afin de pouvoir y jouer dessus. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir tel Pokémon. Je vais vous faire une série et aujourd'hui on va être sur Evoli comme vous avez vu dans le titre. Et je vais vous montrer une énorme zone où il y a énormément d'évolus. Et franchement je vous conseille vraiment d'installer Nox pour farmer ce Pokémon. Moi si vous avez vu aussi ma vidéo d'évolution de Pokémon, j'avais près de 160 bonbons Evoli. Et je peux vous dire que j'en ai farmé des Evoli et pourtant j'en ai farmé que 2 jours et j'ai eu 160 bonbons. Du coup comme vous avez vu sûrement juste avant l'introduction, là je suis sûrement en vacances pendant que vous voyez cette vidéo. Du coup j'ai essayé de faire en tout cas 15 vidéos en moins de 2 jours. Donc là je suis à ma, si je ne me trompe pas, ma 8ème vidéo. Donc je sais pas si vous imaginez, mais 8 vidéos, ça m'a pris environ 10 heures de travail. Et là il est 18h50, il faudrait que j'en fasse après encore 5 à peu près. Non encore 7, ouais voilà. Encore 7-5 vidéos avant la fin de cette journée, parce que je pars demain à 10h. Du coup, pour tout le travail que j'ai fourni, récompensé par des likes, en partageant cette vidéo et en vous abonnant, ça serait vraiment super sympathique de votre part. Du coup, ça va être une petite vidéo assez courte. Je vais juste vous montrer une zone où trouver énormément d'évoliers. Donc, bien évidemment, avec Nox, comme je vous ai montré dans ma vidéo, donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo. Vous pouvez vous téléporter, vous voyez, il vous suffit de mettre. D'ouvrir là la localisation avec ce petit bouton sur la barrette de droite. Et ensuite il vous suffit tout simplement de vous déplacer dans le monde en dézoomant avec la roulette de la souris et en zoomant vers là où vous voulez aller. Il vous suffit de rester appuyé pour vous déplacer. Là vous zoomez vers l'endroit où vous voulez aller. Donc nous ça va être vers Paris. Alors Paris, voilà, donc ça va être le parc de la Villette les gens. Alors c'est vraiment une énorme zone de farm. Il y a vraiment énormément de Pokémon. Donc là vous allez zoomer en plein sur la ville là où il y a marqué Paris. Et vous allez du coup voilà. Donc là c'est à peu près le contour de Paris. Vous voyez le petit cercle. Il va falloir aller dans ce cercle. Vous allez zoomer, vous allez vous décaler vers la diagonale d'en haut et vous allez rezoomer vers cette espèce de carrefour, cette espèce de rivière en carrefour. Je crois que c'est la Seine, hein, si je ne me trompe pas. J'habite pas à Paris, hein, j'habite dans le sud, donc si je me trompe, m'engueulez pas, hein, mais je pense que c'est une rive de la Seine en tout cas. Alors, donc vous allez vous décaler. Alors attendez, là je bug un petit peu hein, vu ma connexion. Je ne peux pas. C'est pour ça qu'en fait je peux pas vous montrer directement sur Pokémon Go. C'est parce que j'ai une connexion assez pourrie. Du coup je peux juste vous montrer avec la mini carte. Si je me connecte sur Pokémon Go, je ne vais pas pouvoir me déplacer. Du coup vous allez vous téléporter à la Villette. Donc vous mettez la petite flèche, vous faites OK et vous serez téléporté. Et là il y a énormément d'évoliers. Il y en a vraiment presque de partout. Donc je vais vous montrer quelques spawns que je connais. Donc notamment là il y a un gros spawn juste ici. Il y a un spawn où il y a presque non-stop des évoliers. Donc comme sûrement vous savez, un Pokémon quand il apparaît il reste 15 minutes, ensuite il disparaît. Donc le spawn de ces évoliers à cet endroit là va tout le temps changer hein. Ils vont spawn. Donc si vous voyez qu'il n'y a pas d'évoliers, c'est qu'ils n'ont pas encore respawn. Et restez minimum 30 secondes à chaque fois que vous êtes téléporté, parce que ça met un peu de temps selon votre connexion à faire apparaître le Pokémon. Donc là ça va être le premier spawn. Ensuite juste ici vous avez le deuxième spawn hein, normalement voilà, juste vers là hein, vous mettez comme ça
C'est juste vers là, vous faites que de vous téléporter entre ces deux là, hein. Normalement c'est censé apparaître vite fait. Vous avez aussi un spawn si je ne me trompe pas juste ici. Donc j'avais visionné tout ça quand il y avait encore Pokévision, donc là j'essaye de le faire à la mémoire, donc si je me trompe excusez-moi, mais en tout cas ce sera toujours dans les environs de ce que je vous montre. Il y a encore un gros spawn, donc bien évidemment il vous suffit de farmer, hein. Vous tournez autour, en plus il y a plein de Pokémon rares donc c'est pas mal du tout. Là normalement il y a un gros spawn aussi ici, juste ici aussi. Là si je ne me trompe pas il y a un spawn, mais je vais pas vous le dire quand même parce que j'ai pas envie de me gourer. Après il spawn tout dans le parc, donc ça c'est vraiment énorme, il vous suffit juste de vous déplacer, vous voyez les Pokémon, vous voyez les Pokéstop, sur quel Pokéstop à peu près ils sont, il vous suffit d'aller vers ce Pokéstop en vous téléportant, donc c'est assez facile et vous allez trouver pas mal d'évolus. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc excusez-moi si mon commentaire était assez pourri étant donné que je suis à ma 8ème vidéo, ça fatigue, parler pendant plusieurs minutes, 8 fois d'affilée, surtout qu'hier j'ai fait une vidéo pendant 1h20, j'ai parlé pendant 1h20 et finalement j'ai enlevé le commentaire parce que 1h20 de commentaire, il n'y avait pas grand chose d'utile dans ce que j'ai dit, du coup j'avais mis de la musique par dessus, donc si vous voulez voir cette vidéo, je fais évoluer tous mes Pokémon et je gagne 82 500 d'expérience, donc allez voir dans ma chaîne. Donc voilà les gens, n'hésitez pas à laisser un like, à partager, à vous abonner et à laisser un commentaire. Allez, ciao.